Allô, c'est Annick et dans cette capsule, on vous présente le fruit de l'arbre de l'anacardier, un arbre qui provient de la forêt amazonienne du Brésil. En fait, c'est au 16e siècle que des missionnaires portugais sont venus transporter cet arbre dans les pays de l'Inde et de l'Afrique. Aujourd'hui, les pays des plus grands producteurs de la noix de cajou sont l'Inde, le Brésil, le Mozambique, le Nigeria et finalement la Tanzanie. Et la plus grande vedette de ces pays, ça reste quand même l'Inde avec 90 % de la production mondiale et le plus grand exportateur. L'anacardier produit des fruits pendant 3 à 45 ans. Il est aussi connu sous le nom de pommier d'acajou puisque la noix se fixe toujours sur un pédoncule charnu, un faux fruit de couleur rouge-orangé que l'on nomme pomme, même s'il ressemble plus à une poire. Une seule noix est produite par pomme. Elles sont cueillies manuellement au sol à la main après qu'elles soient tombées, indiquant qu'elles sont bien mûres. Les noix sont alors détachées de la pomme et séchées au soleil pendant 2 jours. Les noix de cajou sont toujours traitées avant d'être commercialisées, une procédure qui est assez élaborée et même caustique. Entre les deux coquilles, il se trouve une huile qui est toxique qui s'appelle cardol. En fait, au toucher, on pourrait se brûler. Et voilà pourquoi les noix de cajou sont jamais commercialisées avec leurs écailles. Avez-vous déjà remarqué que la noix de cajou ressemble à un foie miniature? En fait, lorsque consommée régulièrement, comme la plupart des fruits à coque, on viendrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires ainsi que le diabète de type 2. Cette noix elle est super riche en magnésium, en cuivre et en zinc. De plus, c'est une excellente source de phosphore, de potassium, de manganèse et aussi de fer. Vitamine B, il y en a une panoplie dans cette noix et aussi vitamine E et K. Comme vous voyez, la noix de cajou en a beaucoup à nous donner au niveau de notre santé. Même si avec son goût et sa texture, ça semble être une noix très riche en matière grasse, c'est l'une des noix les moins grasses. En fait, 60 % de ses lipides sont dites monoinsaturés, un gras super bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Comme toute chose, la modération a bien meilleur goût. Selon une étude, la noix de cajou contiendrait une quantité élevée et équilibrée des 3 groupes alimentaires, donc lipides, glucides et protéines. Ce que ça ferait, ça nous occasionnerait peut-être un peu plus de difficultés au niveau de la digestion, comparativement à d'autres noix. Donc voilà une autre raison pourquoi la modération, oui, mais la variété aussi a bien meilleur goût. On adore la noix de cajou pour les textures qu'elle nous procure dans notre cuisine. Oui, on peut la garder telle qu'elle et l'ajouter sur nos sautés, nos salades et même dans nos collations style mélange de fruits séchés et de noix ou des barres tendres pour son côté croquant. Mais il y a aussi l'option de tremper vos noix quelques heures et de l'ajouter dans vos recettes du type smoothie, soupe, que ce soit des vinaigrettes, des sauces et vous allez retrouver un mélange onctueux et crémeux. Mais c'est pas fini. En plus, dans une cuisine végétalienne, ce qui est le fun, c'est qu'on le remplace souvent pour les produits laitiers. Donc, on peut créer un lait à base de noix de cajou, une mayonnaise végétale, ça peut être un cheesecake à la noix de cajou, des fromages salés et aussi glaçage, des crèmes. Comme vous voyez, il n'y a pas de limite avec la noix de cajou pour donner le côté crémeux et onctueux. Donc, très bon à ajouter dans votre cuisine, mais aussi pour votre santé. Pour attendrir la noix de cajou et en plus rehausser ses valeurs nutritives, on vous suggère de la tremper de 2 à 6 heures avant la consommation. En plus, ça va faciliter l'action de votre mélangeur. Pour la conservation de votre noix de cajou, c'est très simple puisque c'est riche en lipides comme pas mal toutes les noix, ça rancit assez rapidement. Donc, très simple, on laisse au réfrigérateur pendant 6 mois ou jusqu'à 1 an au congélateur dans un plat hermétique. Pour conclure, saviez-vous que les pays où on cultive l'anacardier, les gens préféraient la pomme à la noix de cajou? La pomme, en fait, se détériore 24 heures après sa cueillette, ce qui expliquerait pourquoi on ne l'exporte pas ici. Alors, ça vous dit, comme moi, d'aller explorer l'Amérique du Sud et goûter à cette belle pomme, je vous dis, go buy a ticket!